Europe 1, les pieds dans le plat. Le Bray du Faux. Le Bray du Faux avec Marc-Antoine Le Bray, notre imitateur, rock voisine. Alors, pour commencer, il y a quelqu'un que je connais très très bien qui voulait dire à quel point il vous apprécie. Eh, salut mes petites beautés. Ça va toi? Ça va mes chéris? Ouh, oh, Jeff pas la cloque. je vais vous dire, rock voisine, je l'adore. Je le kiffe. Ah. Déjà, c'est un super chanteur. Il est sympa. Et en plus, c'est sur sa chanson « Hélène » que j'ai embrassé une fille pour la première fois. Ouais, c'était au Monoprix il y a 2 semaines. Il y avait Nostalgie à la radio. J'ai entendu la chanson, ça m'a tout émoustillé. Voilà, j'ai sauté sur une fille au rayon surgelé, je l'ai embrassée. Alors, je peux vous dire que si elle avait été d'accord et qu'elle m'avait pas mis un coup de taser, on aurait pu vivre une belle histoire d'amour. Et quand je suis content, j'ai envie de danser. Et d'ailleurs, ça m'a inspiré une petite chanson. C'est parti. Seul sur le sable, les pieds dans l'eau, j'ai toujours pas pécho. L'été qui s'achève, ça devient chaud. Baba est toujours puceau. Merci mes chéris, c'est magnifique. Et ce qui est fou, c'est que j'avais pas eu le texte de Marc-Antoine Le Bray, ouais. Et que il me sent. Ah, je crois que Nicolas Sarkozy va intervenir pour parler d'un sujet un petit peu plus grave. Bonjour monsieur Sarkozy. Bonjour monsieur Hanouna et bonjour à tous. Alors, c'est bien beau de s'amuser avec vos petites chansons, mais il y a un vrai problème en ce moment en France dont personne n'ose parler. Mais moi je vais le faire. C'est tous ces gens qui traversent la mer, qui arrivent chez nous et qui volent le travail des Français. Non, mais si vous visez les réfugiés syriens, vous allez un peu loin, monsieur Sarkozy, quand même. Ils viennent surtout pour échapper non, aux... Non, je parle pas de ça. Ah. Je parle des chanteurs québécois qui traversent l'Atlantique pour prendre la place des artistes français. Voilà. Rock Voisine, Garou, Corneille, Natacha Saint-Pierre, Isabelle Boulay. C'est pas ce qui se passe au Canada. Peut-être qu'il y a une guerre, une famine ou quelque chose, mais il y a un moment, il faut que ça cesse. Alors, accueillons tous les Syriens que vous voulez. Oh, je m'en fous, ils chantent pas. Mais revoyons chez eux les Canadiens qui piquent le boulot de ma Carlita. Très bien. C'est bien, c'est une bonne résolution. Monsieur Sarkozy, vous ne pensez pas plutôt que si les Québécois comme Rock Voisine réussissent si bien en France, c'est en fait parce que peut-être qu'ils chantent mieux? J'ai jamais vu la question sous cet angle, monsieur Hanouna, mais c'est pas bête. Et puis, c'est vrai que Carla, quand on y pense, c'est un peu l'inverse d'un Québécois. Quand elle parle, ça va, mais dès qu'elle chante, ça devient insupportable. Oh. Rock Voisine, alors je vous rassure, les Français vous adorent, en particulier Nelson Montfort et Philippe Candeloro, qui partagent comme vous la passion de la glace. Mon cher Cyril, nous admirons la carrière de Rock Voisine qui est non seulement un chanteur hors pair, mais également un très grand joueur de hockey sur glace. N'est-ce pas, mon cher Philippe? Ah, t'as raison, Nelson. S'il a déglingué autant d'adversaires pendant ses matchs qu'il a déglingué de fans pendant ses tournées, ça doit être un sacré joueur de hockey, hein. Écoutez, mon cher Philippe, je cherchais juste à souligner les multiples qualités de Rock Voisine. Mens sana in corpore sano, puisque c'est à la fois un artiste accompli et un sportif émérite. Ah, tu m'étonnes, Nelson. En fait, le hockey, la chanson, c'est pareil, hein. Que tu te retrouves face à un but ou face à une fan, faut la mettre au fond. Hein. Oh. On sent Rock, il a aimé ce passage. Hein. On sent qu'il a bien aimé ce passage. Hein. Ça le fait rire, hein, Rock. Il s'envoie. Voilà, c'est ça. Bah oui, on comprend bien. Allez le voir d'ailleurs sur Europe1.fr parce que Rock, il s'est vraiment bien préparé sur le passage Candeloro Montfort. Allez, on accueille maintenant une personnalité que l'une d'entre vous connaît très très bien. Bonjour tout le monde, c'est Raymond Domenech. Non, c'était juste pour faire un petit coucou à quelqu'un qui est dans votre studio que j'adore depuis presque 20 ans et qui me donne beaucoup de bonheur. Vraiment. Rock Voisine, je suis un grand fan. Merci. Merci pour lui, Raymond. Je me demande s'il nous écoute l'après-midi. Bien sûr. Mais Raymond, vous ne voulez pas profiter d'être là pour faire un petit coucou à votre femme? Non, ça va. Comme je fais rien de mes journées, on se voit tous les matins, tous les soirs et tous les week-ends, donc je pense que c'est... Même Marc-Antoine ne tient plus.
Il y a un dernier petit mot quand même, Raymond. Je crois qu'Estelle Denis apprécie énormément votre voisine aussi. Oui, elle est comme beaucoup de femmes. Votre voisine lui plaît, la touche, la bouleverse, l'excite tout simplement. D'ailleurs, quand on fait un petit câlin, ça lui arrive de mettre un de ses disques et je sais qu'elle pense à lui. Mais c'est pas grave, Estelle, je comprends. Je dois t'avouer que quand on fait un petit câlin sur la musique de rock voisine, moi aussi je pense à lui. Bonne journée. Merci Raymond. Ouais, ouais, bon, bah, qu'est-ce qu'il prend hein. Ça nous regarde pas. Rock voisine, pour terminer, il y a un de vos compatriotes québécois qui vous admire beaucoup, qui voulait intervenir, c'est Jean-Marc Généreux. D'un balbuzard, la puissance d'un caribou, la douceur d'une moufette et surtout un talent à faire pâlir les baleines blanches du Saint-Laurent. Rock voisine, s'il bouge aussi bien qu'il chante, il peut gagner facilement danse avec les stars. Il pourra enchaîner rock voisine, salsa voisine et même polka voisine. Rock, je te mets un 10 et la place pour le concert des Forêts Vertes Gentlemen. J'achète la place. Bravo Marc-Antoine Lebray, excellent Marc-Antoine, qu'est-ce qu'il est bon. Il est en spectacle au Théâtre République à Paris, bien sûr, tous les lundis et les mercredis à 17h50 sur Europe 1. On sait que vous attendez ce rendez-vous avec impatience. Merci mon Marc. Merci à vous. Merci Marco. Il y a Raymond Domenech qui vous invite à dîner ce soir. C'est la première fois que ça m'arrive. Bah, ça nous a fait plaisir. Merci Marc.